Sur la team c'est Zucchero, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai acheté ça, regardez comment c'est le pack dernier. On va aller découvrir un peu tout ce qu'il y a dessus. Et n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et n'hésite pas non plus à mettre le code créateur Zucchero. Alors on a reçu le Joker, on a reçu Poison Ivy, on a reçu Midas Rex. Oh là là, longue vie au roi. On a reçu Effleraison, boîte à insurrection, Cimer de Midas. On a reçu la hache d'Ivy, on a reçu le faiseur de roi, on a reçu mauvaise blague, vengeance du Joker. Oh là là, c'est trop bien. En vrai, celle-là, genre, elle me plaît de ouf, vengeance du Joker. Mauvaise blague aussi, mais vengeance du Joker, genre, il y a un côté un peu canne, un peu... J'ai envie de regarder les 10. Tire une carte, ça c'est cool. V-Bucks, bon, il y avait 1000 V-Bucks dedans, ça c'est bien bien cool aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis sur la Xbox parce que ben j'ai une bonne partie de mes V-Bucks, en tout cas ceux des abonnements sur la Xbox. Alors le Joker, d'après ce que j'ai compris, il y a différents styles. Il y a celui avec le chapeau, il y a celui sans le chapeau. Je préfère sans le chapeau et je préfère même comme ça, je crois. Parce qu'il est un peu plus stylé, on le voit un peu plus et tout. Et genre le Joker, ben moi c'est un de mes persos préférés de chez DC. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent le Joker de Suicide Squad, mais ils le feront pas comme il a pas marché, c'est nul. Mais ils ont fait Harley Quinn de Suicide Squad, wesh. Bon, du coup, je pense qu'on va quand même se mettre celui-là, parce que le plus connu. Mais je vais faire deux pré-réglages, de toute façon. Et on va pas lui mettre deux sacs à dos. Le sac à dos, on va le garder pour celui sans la veste. On lui garde le petit bâton. Bien que je me demande si le marteau ça va pas un peu plus décaler le style du veston et tout. Qu'est-ce qu'on... Oh ouais! Avec les ailes du rôdeur, ça va le faire de ouf sur le Joker! Même vous, vous savez! Sinon on a ça qu'on aime sur Harley Quinn, mais non. Il y a des cartes. Ça, c'est grave stylé. C'est ultra cool les cartes quand même, qu'on se le dise. Qu'est-ce qu'on lui met comme petite danse à notre Joker? En vrai, ça c'est grave drôle. Genre, boum! Ça devrait être galère à faire, j'en ai déjà vu faire ça, mais c'est galère, moi. Ça va trop bien au Joker. Même ça, ça peut le faire au Joker, mais y a pas un truc un peu plus drôle? Non. Non. Ça, j'ai mis? Bon, on met ça. Un revêtement mauve du rôdeur. En vrai, il part avec le stuff du rôdeur, hein. Et je crois que j'ai rien en DC avec le Joker. Mais rien du tout. Absolument rien. Du coup, on met rien. J'aime pas mettre... Au début, je mettais des trucs qui pouvaient aller avec. Maintenant, plus rien. En sauvegarde. Et maintenant, on se fait le pré-réglage suivant. Toujours avec le Joker. Comme ça, genre, on met celui avec le veston, avec juste le veston. Que je trouve grave cool. Et ben... En vrai, j'ai pas envie de lui mettre le marteau. Par contre, le sac à dos, il lui va bien. Genre, il est petit, ça donne son buste encore plus large et tout. Mais je crois que je vais garder ça là. J'ai l'impression que ça lui va pas de ouf, ça. Ça peut être stylé sur le Joker. Hein. Oh là là, moi j'aime trop les DC, les Marvel, les Star Wars. Oh. Quand les Star Wars y ressortent, je vais m'acheter plein de trucs. Star Wars. On va lui mettre le bâton, hein. Ça c'est bon, ça c'est bon, tout ça c'est bon. Ok. Ok. Mais on va reprendre celui-ci et on va lui mettre le marteau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le truc chic sur celui un peu déglingué, je trouve ça va. Et le truc déglingué sur le gars chic, bah ça le fait encore plus. Donc c'est parti! Alors maintenant on va faire les autres. Ouais, on écrase celui-là. Et on a Midas et on a Poison Ivy. Punaise! Et elle est dans deux styles, il me semble. Elle est toute verte. Je crois qu'elle est toute blanche aussi. Mais le sac à dos... En vrai, le sac à dos, je vais lui laisser. Il est stylé quand même. Genre le sac à dos fleuri de Poison Ivy. Ouais, non, vraiment, le sac à dos de Poison Ivy.
Ok. Sa fleur là. Ce serait bien, elle tire des. Et qu'est-ce qu'on va lui caser? J'ai pas trop d'idées. J'hésite avec ça. Parce que c'est vert. Mais c'est un peu trop moderne pour elle. Le dragon peut-être pas. Hein. En blanc? Non, ça irait pas pour les animaux. Qu'est-ce qu'on peut lui cacher? Les ailes de Batman, non. J'ai aucune idée de quoi. Mais elle est stylée quand même. Ça, non. Vous avez des idées, vous? Ah, mais on a ça! On a le parapluie fleuri! Forcément, je suis bête. Comme mes pieds. Oh. Je me demande, est-ce que ça, ça le fait ou pas? Franchement, je me tâte. Mais il vaut mieux rien mettre. Parce que j'ai un doute. J'ai un doute. Par contre, les cartes, on va peut-être pas les laisser. Mais... Qu'est-ce qu'on va se caser? Qu'est-ce qu'on peut se caser sur Poison Ivy? Non, pas ça. En vrai, c'est drôle quand même. Le truc de Phoenix. Ah, mais non, ça, forcément! Le moulinet de Starfire! Ça le fait sur elle ou pas? J'ai un doute, c'est un peu trop ridicule, je pense. En vrai, je trouve que ça le fait sur elle. C'est juste dommage, elle vole pas avec. Et ouf. Oh, mais oui, forcément. En vrai, en plus, elle a l'air un peu. Hein? On va mettre les trucs d'Halloween là bientôt. Oh là 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 là. Ça le fait de ouf. Maintenant, le revêtement. On a ça, mais. J'ai un doute. Hop, on va lui mettre ça. On va le mettre partout. Eh ben, moi je dis c'est parti. Hein. Allons-y, sauvegardons. Et on va juste s'enregistrer. J'en profite tant que je suis là. Pourquoi je suis descendu moi? Ah oui, on va prendre Midas. Parce que j'ai Midas des plages et j'ai Midas Rex. Je préfère Midas des plages quand même. Hein. Oh, non, avec ça, on le reconnaît pas, Midas. Ah, mais oui, je voulais faire ça. Je voulais faire ça en mode style humain. Je sais pas lequel je préfère. Mais je crois que je vais enregistrer les deux. Parce qu'en humain, elle est cool aussi. Hein. Oh, il est stylé, hein. Il est stylé, stylé, stylé. Et genre, la boîte, je l'ai payée 30 euros. Je sais pas si, genre, elle est moins chère quelque part. Moi, je l'ai pris, genre... Non, dans les supermarchés, il y a tout plein de gens qui font... Enfin, il y a plein de supermarchés qui font des trucs de ouf au niveau jeu et tout. Ils ont des salles rayons jeu et tout. Donc, je l'ai prise là-bas. Dites-moi en commentaire si 30 euros, c'est cher ou pas. Ou si c'est les prix partout, c'était 29,99. Elle est stylée de ouf. Un vrai 30 euros, 3 skins, ni des bugs. Moi, ça me va. Et 3 skins avec tous les accessoires. Hein. Maintenant, ah oui, on va supprimer ça. J'ai fait des bêtises, moi. J'ai fait des bêtises. Je suis trop pressée. Parce que j'avais laissé les cartes à la première. Bon. Il est où, Midas? Il est là. Midas Rex, longue vie au roi. Il fait vraiment partie du pack dernier. Je me demande si ces skins-là, il y avait moyen de les acheter ou pas. Oh, on va mettre sans la tête. Hein. Mais à chaque fois, je me viande. Je sais pas s'ils sont dans la boutique, s'ils apparaissent dans la boutique. Tu veux bien? Ouais.
Il a un côté Iron Man quand même. C'est cool. Qu'est-ce qu'on lui casse comme sac à dos? J'ai pas envie de lui mettre la cape. C'est celle-là. Mais en vrai, genre, les capes, moi, je suis pas trop fan. Parce qu'on voit pas le skin, on voit juste la cape. C'est chiant. Je me tâte vraiment. Et genre, elle a un côté très voûté comme ça, là. Qu'est-ce qu'on se met d'autre? Pas de sac à dos. On va lui mettre... Il a une épée, je crois, hein. Ouais, il a les faisceaux du roi. Même c'est stylé, les faisceaux du roi, hein. Et le parapluie. En fait, j'ai été avec les ailes de Wonder Woman. Et ça, là. Parce que j'ai déjà mis à Midas des plages, ça. Et ça le fait sur Midas des plages. Mais en vrai, il y a moyen les ailes de Wonder Woman. Sur Midas. Ça vend du rêve. J'hésite. Sinon, qu'est-ce qu'on a? En vrai, les ailes de Wonder Woman, hein, c'est sûr. Ça fait ultra stylé sur lui. Je trouve qu'elles vont à plein de monde. À plein de mes skins, en tout cas. Ça, c'est stylé, non? En vrai, genre, ça fait un peu Iron Man. Iron Man Goldie, comme ça. Ça, on va changer, hein. Mais c'est quand même cool. Non, pas le truc de flash. Ça, c'est cool. En vrai, il aurait été doré. Ça l'aurait fait de folie. Ça le fait sur lui. Mais tot, parce que je l'ai mis nulle part, le truc Son Goku, là. Son Goku, ça fait très son gros cul. Oh, oh, oh. Bah en vrai, celui-là, je l'ai mis nulle part. Je l'ai mis sur aucun pré-réglage. Par contre, pas ça. Je préfère une petite danse, tu vois. En plus, ça lui va bien. Je sais pas quoi lui caser. C'est stylé. Ça le fait. En mode genre Iron Man doré qui fait du sale. Et ça, c'est le truc de Midas. On va se le mettre partout. Et on n'a pas d'image. Mais c'est bien cool comme skin! J'ai grave kiffé m'acheter ce truc. Toi, si t'as kiffé ton moment, tu mets un pouce bleu. Si t'as sûr kiffé ton moment, tu t'abonnes. Et si t'as sûr kiffé ton moment, bah tu mets la cloche. Allez, ciao, à la prochaine!